Vidéo consacrée au trésor du chemin sacré. Alors, moi, c'est l'un des trésors que j'ai eu le plus de mal à réussir à accéder. C'est dommage, hein, parce que il y a des puzzle games, tout ça, ça passe bien. Et celui-là, il est resté pendant très longtemps une énigme. Alors, même jusqu'à la fin du jeu, hein, vous avez tout un tas de clés. Ça n'ouvre pas ce coffre. Mais cependant, il y a une solution et on va la regarder ensemble. Pour cela, il faut retourner à la maison de Louisa, lieu qu'on découvre au début du jeu. Bon, ça se passe mal, elle prend feu. Alors attention, la zone est habitée. Vaut mieux attendre qu'il se rapproche un peu. Là, vous avez un collier. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ce collier, ça qui met la puce à l'oreille, il n'est pas dans la section trésor. On peut l'examiner. On y tire une pierre qui lui est un trésor, mais ne se s'agence pas dans un autre collier. Il se vend tel quel. Et si on fait pas attention, le nom bascule à collier avec une clé. Et encore une fois, si on l'examine, on chope la clé de Louisa. Là maintenant, on va retourner à notre lieu, le chemin sacré. Ça rentre et à nous le trésor, la coupe de César. Alors la pierre récupérée se vend 8000 et la coupe se vend 19 000.